On change d'ambiance sonore, on change le cadre, on change tout, évidemment. Comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine depuis la dernière Radio Libre que nous avons fait la semaine passée avec Mathias, qui a été un peu plus courte que les fois précédentes, un peu plus courte, parce qu'il avait la crève, et le mec, il a encore explosé. J'ai deux, trois petites choses à vous dire en amont. Alors on va juste regarder que tout soit bien foutu. Vous le savez, je prends vachement de temps en avance, en fait, juste avant. C'est pour ça qu'on a souvent 3, 4, 5, 6, même des fois 8 minutes en entier pour pouvoir assurer que tout fonctionne bien, surtout au niveau du micro, tout ça et tout, parce que souvent il y a des discordances, pas pour hein, des mésententes. Vous savez bien, avec les raccourcis, tout ça et tout, donc avec, par rapport au Stream Deck, ça marche très très bien. On va pas, enfin, pour l'instant, ça marche très bien. On verra par la suite. Des explications à vous donner. Samedi, je devais faire un live sur Hogwarts Legacy parce que je me suis dit que ce serait un jour qui serait intéressant. Je ne l'ai pas fait et j'ai une vidéo qui est passée. Enfin, j'ai une vidéo, j'ai fait un. Je me suis enregistré, je me suis dit, je vais le faire, je le fais pas et tout. Et en fait, je l'ai fait parce que. Bonsoir, Mademoiselle Atlas, comment ça va? Pourquoi? Ben parce qu'en fait, tout simplement, j'ai eu une galère d'électricité. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'on doit aller jouer les sauveurs en Ukraine et que Dark Blue Sky World, premier message d'une personne. Non, c'est pas ça. C'est message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Comment ça va? Ça va super bien. Ça va super bien. J'ai plein de raisons d'aller mal. Et elles étaient hier, donc hier c'est hier. J'ai passé une très bonne continuation de journée, entre autres grâce à Mademoiselle Dark Blue Sky World et Marie, qui devrait probablement nous rejoindre tout à l'heure.
dans le chat, en vocal. Donc ça me touche, ça touche mon petit cœur. Je suis très content. Et va y avoir Mathias, hein, je vais rejoindre le salon dans deux secondes. Mais je fais donc, je termine l'explication de qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, samedi, il n'y avait pas d'Hogwarts Legacy. Il n'y a pas eu de live en fait, et j'ai pas eu de live pendant un moment là, pendant 3 jours, parce que, donc en fait, il y a eu coupure d'électricité quasiment totale dans le 5e arrondissement de Marseille, je suis dans le 5e arrondissement de Marseille, et c'était compliqué, enfin ça a été compliqué, parce que du coup, j'ai pas d'onduleur, et surtout j'ai pas de générateur quoi en fait, parce que ben, pour acheter un générateur c'est 2000 balles, donc du coup, enfin un bon générateur avec des batteries, des nouvelles batteries, tout ça et tout, ouais c'était un truc de fou hein. Un dur de fou quoi en fait. C'est-à-dire que je suis arrivé dans la chambre, donc dans cette pièce là en fait où je stream, où j'avais prévu justement de faire samedi un live sur Hogwarts. J'en avais trop envie, j'avais vraiment envie de jouer et tout en plus, donc j'étais vraiment à fond. Et je me pose sur l'ordi, je prépare tout, donc je lance Switch Studio, j'allume l'ordi, je lance Studio, je me mets sur Discord, j'appelle une des personnes avec lesquelles j'échange sur Harry Potter, tout ça et tout, j'ai été vachement fan pendant un temps, j'aime énormément la saga, donc ça me parle bien, et en fait, je vais pour lancer, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai le bouton là, où j'appuie et que ça lance tout sur le Stream Deck, j'appuie, la coupure de... On aurait dit que c'est moi qui avais appuyé pour couper l'électricité dans tout le 5e, c'est abus total, c'est abus total. Et en fait, du coup, donc, bon, enfin, évidemment, voilà, c'était pas cool. Coupure d'électricité de 20h30 jusqu'à 23h15, donc c'est un foutage de gueule gigantesque. Tout ça, tu te marres, mais c'est exactement ça. Hein. C'est exactement comme ça que c'est passé. Et je me suis, je me suis énervé. J'ai fait une vidéo, mais tu l'as normalement Atlas sur Insta, t'as dû la voir la vidéo parce que c'est une vidéo que j'ai tournée à la bougie. On se serait cru revenu, chez les Manants, sauf que chez les Manants il n'y avait pas de caméra. Mais tout ça pour aller sauver une hypothétique Ukraine qui est déjà perdue d'avance et qui est déjà perdue d'avance parce que je pense qu'il faut essayer de se mêler de choses qui nous concernent et ne pas on va pas faire de politique parce que ça va être trop long et compliqué à ce que je détaille tout ça. Quand je parle de politique, j'ai plutôt tendance à m'emporter en plus, je suis passionné, mais du coup voilà, donc du coup pas de live là. J'allais pas lancer un live à 23h et quelques, donc du coup voilà, oui effectivement, bah, je pense qu'on est d'accord là-dessus hein. j'allais pas lancer de live à 23h30. Du coup qu'est-ce que j'ai fait, je crois que j'ai fait du Overwatch en simple, j'ai fait ça. J'ai lancé dimanche, et dimanche quand j'ai lancé en fait j'étais en game avec Marie, et je crois qu'on était tête à tête, on était tête à tête, et en fait le truc qu'il y a c'est que j'ai lancé un live en pleine partie, et en fait ça m'a fait laguer le jeu d'un coup en fait, donc j'allais dire sans crier gare, mais c'est vrai qu'il y a un ordre pour le processeur afin de savoir exactement quand est-ce que, quel logiciel on doit lancer en premier, en fait ainsi de suite. Donc c'est pour ça que normalement les ressources attribuées pour les logiciels de streaming, il faut les lancer en premier avant de lancer les jeux. Mais ça c'est acté, mais je me suis dit vas-y c'est pas grave, j'ai suffisamment de RAM à l'intérieur pour que ça le fasse, et en fait ça ne l'a pas fait. Donc du coup j'ai fait un live à chier de 17 minutes. C'est nul. Un live à chier de 17 minutes à blanc en plus, à complètement à blanc. J'avais j'avais The Godslayer qui est venu, on a parlé un peu, tout ça et tout, il y a Nekik je crois aussi qui est passé, et en fait, j'ai pas pu rester, il y a Rome le Surhomme aussi qui est passé, mais je pouvais pas en fait, j'allais pas proposer un live de cette qualité à chier comme ça. Donc du coup voilà, cette semaine c'est une grosse semaine parce qu'en fait, hier, ce matin je me suis couché très tôt, parce qu'on est resté avec l'équipe et surtout donc avec Marie, très tôt ce matin. Hier soir, j'ai participé à un live sur le live de Ryujin, donc je vous partagerai ça de toute façon, je pense sur les réseaux sociaux, où avec Marie on a fait le doublage, parce qu'en fait donc Ryu en anglais il est nul à chier, donc du coup il est franc avec ça, comme il est nul à chier, Marie est excellente en langue, et donc moi je parle anglais naturellement, elle a un anglais vraiment ultra littéraire, enfin un truc vraiment très...
j'allais dire ultra scolaire, mais en même temps le maîtrise super bien, donc du coup c'est extrêmement agréable à entendre. Et d'entendre ces traductions aussi, c'est très agréable. Le truc qu'il y a, c'est que moi j'ai un anglais pro en fait, professionnel, et on va dire un peu, peut-être un peu plus sur certaines formes de la vie de tous les jours. Donc j'ai plus tendance à réduire et tout. Elle fait vraiment une traduction ultra propre. On dirait une traductrice en fait qui fait son office, pas moi. Moi c'est vraiment un anglais enfin de la rue quoi en fait, de la vie. Et on s'est pris un délire, un kink absolu de faire la traduction. Et à un moment donné, en fait, y avait un truc, elle a pas réussi. Il fallait traduire ce que nous proposait Yamanoi, donc un personnage de Yakuza 0. Et en fait, je me suis lancé à faire une voix de papy pour le doublage. On a commencé à partir en fou rire de fou. On a fait le doublage du jeu de A à Z sur le chapitre 5 avec Marie en tête à tête. Donc Ryu qui était là et qui faisait le jeu. Et nous, en fait, c'est comme si on co-participait à l'animation du live. Un délire de fou. Donc tous les lundis et les jeudis, quand il y aura Yakuza, je serai avec Ryu sur sa chaîne. Mais je serai surtout avec Marie sur la chaîne de Ryu pour faire ce genre de truc. Parce que c'est un exercice qui me plaît beaucoup. Donc je ne serai pas forcément en live sur ma chaîne le jeudi. Sauf que, j'y arrive après. Vous le savez, le mardi et le mercredi... Le mardi et ou le mercredi normalement, c'est Radio Libre avec Mathias. Et ceux qui veulent se joindre à nous, évidemment. Donc là, ça va être Marie pour aujourd'hui. Donc je pense qu'il va y avoir des trucs à parler, parce qu'il y a les 37 ans de Zelda, donc du coup, elle va forcément nous en parler. Mercredi, demain, c'est Sea of Thieves. Et surtout, ça va être Sea of Thieves jeudi aussi, donc avant que je parte sur la chaîne de Ryu, de 18h à 21h, je serai avec Wakima. Donc pendant 3 heures pour Sea of Thieves, pour faire une initiation, parce qu'en fait moi j'ai fait sur Xbox, j'ai plus de 150 heures de jeu, mais là sur PC en fait, quand j'ai fait le lien entre mon compte sur la console et mon compte sur la Xbox Bar, ouais let's go de fou, je suis trop content. Elle est venue, on a vachement parlé. C'est une Aude est une jeune femme vraiment super sympathique, très très agréable, et qui a une vision extrêmement claire de ce qu'elle veut et de ce qu'elle a envie de devenir sur YouTube et surtout sur Twitch, et ça me plaît de ouf. J'aime beaucoup sa vision des choses, c'est une vision que je partage, sauf que je suis beaucoup plus vieux, j'aurais aimé avoir des visions comme ça plus jeunes. Et donc là du coup je suis très content qu'elle ait fait appel à moi, parce que ben elle avait envie qu'on refasse des trucs ensemble. Elle m'a dit tête à tête et tout, ça me plairait bien qu'on fasse des jeux, tout ça et tout, pour mes lives, pour les tiens et tout, ça peut être super intéressant, parce qu'elle a des objectifs extrêmement clairs qu'elle m'a partagé. Je suis très très touché qu'elle ait partagé ça avec moi comme ça, donc c'était vraiment cool. Donc jeudi de 18h à 21h je serai en tête à tête ou plus, s'il y a d'autres gens. Ouais, c'est une crème, hein. Franchement, Aude, c'est une crème de fou, quoi. C'est vraiment une crème. Et j'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance avec les gens que je rencontre de manière générale. Mais depuis des années, je me rends compte que j'ai énormément de chance avec les femmes que je rencontre et qui font partie de ma vie. C'est une bénédiction pour moi. Je sais ce que les gens trouvent en moi. Je suis pas dupe, je sais avec quoi je viens quand je viens à la table des discussions, à la table des relations humaines. Mais ça fait toujours plaisir de voir que certaines personnes sont sensibles à tout ça. Monsieur Patato, comment est-ce que ça va bien? Est-ce que le week-end et le début de semaine se sont bien passés? Donc du coup voilà, donc ça sera pour jeudi. Vendredi, je sais plus, vendredi, je crois que j'ai un truc, je sais pas, je crois que vendredi on doit faire la radio avec Mathias, mais on verra son état peu cher, parce qu'il est vraiment fatigué. Il fait vraiment un effort ce soir pour participer. Il fait un effort, mais en même temps c'est lui qui m'a donné quasiment toute la liste de ce qu'on va faire aujourd'hui, donc ça c'est plutôt cool. Mais on va choisir, on va pas faire tous les sujets, parce que j'ai pas envie de le crever peu cher, parce que il est vraiment, je crois qu'il a une grippe, enfin on soupçonne une grippe, donc du coup on va pas trop tirer sur la corde, le pauvre, histoire de pas l'éreinter. Samedi ce sera Hogwarts, et dimanche on verra. Je pense que vendredi, si Marie et son équipe sont partants, donc Mademoiselle Dark Blue Sky World, on fera peut-être du GTA. On s'est pris des fous rires la semaine dernière, c'était abusé. Il y aura le replay qui arrivera la semaine prochaine, je crois, ou au tout début du mois. Mademoiselle Herorax qui arrive parmi nous. Bonjour Marie. Donc du coup voilà, donc c'est vraiment un régal. Donc voilà, hop là, on va pine ça, on va le pine ici. Je sais même pas si ça marche. Je sais même pas si ça marche en fait, ça a chiqué ce truc. Merci pour le follow. Donc du coup voilà, donc là c'est marrant. Toi tu dors, t'es en vacances. Écoute, tu as bien de la chance. Moi je dors
pas beaucoup et je suis au chôme du, donc du coup, je préférerais travailler quand même. Hein. Des fois, je me dis, mais c'est pas grave, je prends très à cœur ce que j'essaie de vous proposer et les échanges que j'essaie d'avoir avec les gens ici, de manière générale, sur Internet, sur Twitch et en plus sur YouTube, parce que j'ai vraiment envie que ça devienne une part importante de ma vie, entre guillemets, et s'il y a moyen d'avoir des revenus avec ça, ça sera encore plus un plaisir, parce que je le fais avec vraiment beaucoup d'envie. J'ai fait une intro de... de 10 minutes. C'est une honte, 11 minutes. Je pars directement dans le général pour aller choper normalement Monsieur Mathias qui doit avoir son micro qui marche, qui a dû nous rejoindre. Bonsoir, c'est bon, ça marche, tout va bien. Bonsoir, c'est bon, ça marche, tout va bien. Je vais juste augmenter ton gain, mon poulet. Parce que du coup, j'ai changé, c'est peut-être... Alors, en qualité, c'est peut-être un peu moins bien, mais il y aura peut-être moins de... Tu as changé ton casque? Non, j'ai le micro au pied, là j'ai pris le micro du casque, tu sais, directement. Alors écoute, je suis en train de monter ton gain, c'est un régal. Fais-moi ta plus belle vocalise, fais-nous ta plus belle vocalise pour voir. Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde peut t'entendre. Mieux que moi en tout cas. Ouais, mieux que toi, ah, mon petit poulet, il est fatigué. Non, ça va, franchement ça va. Et je me dis qu'il y a pire dans la vie que d'être malade quoi. Ça dépend de la maladie, ça dépend un peu la maladie quand même. Mais... Oui, c'est sûr, mais je me dis que le temps que je suis en vie, c'est que c'est pas une maladie grave quoi. On est là-dessus, on est raccord, toi et moi, on est complètement raccord. Donc je te demande pas comment tu vas, parce que... Je donc, sais que c'est... Si je suis présent, c'est que... on pourrait avoir pire. Donc, je suis présent, ouais. C'est important, quoi. Ouais, on est d'accord. On est là ce soir pour kiffer, tranquille. J'espère que ça va bien se passer, j'espère que ça va se passer comme d'habitude. Il y a un petit peu de monde qui sont présents là sur le chat, c'est plutôt cool. Je suis là t'es là, attends, si t'es là, alors si t'es là et t'es là sur le téléphone ou sur l'ordi du coup? Sur l'ordi. Sur l'ordi, il faut que tu lâches une... Quand t'es là et que t'arrives sur le... T'es là, voilà, regarde, quand t'es là, il faut que tu fasses... Il faut que tu lâches une petite emote, un truc comme ça, tu vois, un petit piou ou un petit gruik, tu vois, histoire de dire, tiens, regarde, j'ai vu que j'étais là, comme ça, j'ai vu que t'étais là, comme ça, moi je pense, bam, il est là direct. Et je vois que t'es là. Comme ça, au moins, ça va. Alors, j'ai mis un cochon, ouais, donc l'histoire du cochon, c'est parce qu'en fait, Clochette m'a surnommé Seb Gruick. C'est-à-dire qu'en fait, dans son téléphone, je suis Seb Gruick. Parce qu'en fait, quand je parle, enfin, tu sais, quand je parle de manière assez crue, j'ai peu de filtres. Enfin, tu me connais suffisamment bien, tu sais très bien. Oui, très bien. Tu connais, je mets rarement de filtre quand je parle, et c'est vrai que quand ça parle de choses un peu plus dans l'intimité, dans des trucs comme ça et tout, tu vois, enfin des trucs de cul, des trucs un peu plus salaces, enfin des trucs un peu, c'est pas salaces, ces trucs de cul ne sont pas des trucs salaces, mais les trucs de la vie de tous les jours, des relations sexuelles, etc., etc., c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien me lâcher verbalement, et un jour elle me dit, mais t'es vraiment un gros porc, oui, je suis un gruic en puissance, elle me dit, bah, je vais t'appeler comme ça. Avant, elle m'appelait Batmoule, parce qu'en fait, j'avais, en vocal, une fois, j'avais fait la chanson de Batman mais des années 60 en fait, et on s'était pris un fou rire parce que en plus j'avais expliqué que c'était mon super héros préféré, et en fait elle m'avait surnommé Batmoule dans son téléphone, et en fait du coup je suis devenu Seb Gruick, donc voilà, je ne suis même plus un poussin, je suis un petit porc, hein, donc c'est pour ça qu'il y a un Gruick, en fait c'est pour ça qu'il y a un Gruick ici, que je les ai et que j'ai surnommé cette commande Gruick. Et on a Marie qui nous a rejoint. Ouais, tout à fait. Elle est présente, normalement. Elle est présente. Ah, voilà, elle est présente. Et elle est bien présente. Hop là, on l'entend bien. Fais-nous une petite vocalise, Marie, que je règle ton volume utilisateur, s'il te plaît. Pas de vocalise, non. Tu sais, fais-nous une vocalise. Ok, merci pour la vocalise. Ah bah voilà. Parle comme Nishiki hier, là. Exactement, exactement, c'était très drôle. Comment ça va, Marie? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Ça va, j'ai encore mal au ventre, j'en ai marre en ce moment, j'arrête pas d'avoir mal au ventre. Mais sinon, après ça, tout ça va. Ça va bien, j'ai l'impression. Ah ouais, écoutez, je sais pas ce que vous avez, les jeunes, mais les jeunes, moi de mon temps. Manière, en plus de ça, j'ai eu franchement de violentes réactions allergiques toute la journée, je sais même pas pourquoi. Ah ouais? J'ai pas arrêté d'éternuer toute la journée, un truc de fou, j'avais le nez qui brûlait, mais. du réveil jusqu'à ce que j'aille me coucher à peu près, quoi. Alors attends, parce que alors bon, je suis navré pour les gens du ouais, exactement, ouais. Je suis navré pour ceux qui sont présents dans le chat, mais on va digresser un tout petit peu par rapport au planning. Est-ce que, parce que hier tu me disais, tu sais, que t'avais mangé pas mal d'œufs ces derniers jours, est-ce que à tout hasard tu ferais pas une mauvaise réaction justement à ça, parce qu'il y a plein de gens, tu sais, qui sont allergiques aux œufs en fait et qui le savent pas. Alors, je suis pas allergique, mais si j'en mange trop, après c'est vrai que ça me fait mal à l'estomac. Pour le coup, là du coup, j'en ai pas mangé. J'en ai pas mangé ce soir. Non, mais en fait,
avait un peu accumulé pendant quelques jours, mais oui. Là, je crois pendant 2-3 semaines, je vais vraiment pas en manger. Parce que, tu sais, en fait, c'est pas... peut-être un peu trop de chocolat d'ailleurs aussi, c'est possible. Alors, attends, si c'est chocolat, que c'est du chocolat, du bon chocolat, du chocolat noir, ça se passe. Si c'est des chocolats au lait et compagnie, c'est quoi, c'est chocolat noir ou... Non, mais c'est pas du chocolat au lait. Ah ouais, let's go, Kinder. C'est du chocolat blanc. Non. Des petits Kinder. Les chocolats qu'il y a dans mes croissants. Hein. Ah oui, ouais, chocolat de merde, mais c'est pas grave, tu vois, c'est petits chocolats sympas. Regarde quand même pour l'intolérance au... Je me rappelle plus ça un nom particulier, cette non, intolérance mais vis-à-vis des œufs. Je suis vraiment pas intolérante parce que sinon, déjà, je pourrais rien manger des gâteaux qu'il y a où il y a des œufs dedans, ou même les pâtes, ce genre de merde, mais. C'est vraiment juste si j'en mange trop, quoi. Très juste. Qui est normal parce qu'il y a. Y a... Ça fait. Enfin, y a c'est une accumulation, de quoi. Donc. Mais en fait, je pense que je tiens ça de mon père parce que mon père, il est pareil. En fait, s'il mange des œufs comme ça. Ouais. C'est pas qu'il est intolérant, c'est que. Enfin, il va avoir du mal à les digérer. D'accord. Moi, je. Il en mange vraiment trop. Peut-être si c'est un œuf dur, faux plat ou quoi, ça dépend peut-être de la forme, tu le digères mieux d'une façon ou d'une autre. Ma mère, c'est la cuisson. Ouais, bah si c'est accompagné, justement, il digère mieux parce que c'est pas que de l'œuf simple, tu vois. J'entends bien. Ouais. Moi, chez ma mère, enfin, pour ma mère, c'est la même chose. Moi, j'ai pas ce genre de problème, coup de bol, mais chez ma mère, je sais qu'en fonction de. Enfin, pour ma mère, en fonction des cuissons, tout ça et tout, il y a des trucs, ça passe ou ça passe pas du tout, à la limite de l'intolérance, quoi. C'est, ouais, je vois. C'est particulier. Non, mais là, quoi. Pour le coup, c'est un peu con parce qu'en plus, bah, j'adore les œufs, c'est trop bon les œufs. Mon père aussi. Trop bon les œufs. Mais cool, c'est trop bon. Mais tu prêches un convaincu là, c'est trop bon les œufs. C'est trop bon. J'en ai bouffé pendant des années quasiment tous les jours, donc je te garantis, c'est une dinguerie quoi en fait. Mathias, les œufs, toi et ton avis hein, sur les œufs? Ouais, non, mais si j'ai pas répondu, c'est que voilà. Voilà, toi, c'est que les œufs, c'est bon, c'est passé, merci, au revoir. Moi, les œufs, à la limite, c'est The Kinder, mais. C'est ça, attention quoi. Les œufs Kinder, c'est pas la même. Hein. Ouais, c'est pas la même, mais c'est meilleur quand même. Non, je suis pas fan. J'en mange, faux plat, tout ça, mais je suis pas un fan d'œufs. Oui. Pas là à m'ouvrir des œufs directement et les boire, quoi. Tu vois, comme. Non, j'en suis pas là non plus. Ah hein, si, ouais, moi, ouais. À moi, c'était ce stade-là pendant un temps, quoi. Moi, j'adore ça, quoi. Ça ignoble. Comme ça, ça me répugne. Mais c'est non, moi non plus, je pense pas que. Oh, ça, ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre, je suis bizarre donc je c'est peux. Bon, les œufs. C'est trop bon. Mais ouais, mais non, mais c'est trop bon. Mais voilà, surtout, on est. Il faut dire ça à Panda surtout, hein. On est d'accord. Les œufs qui les boit comme ça. Mais c'est hyper. En plus, c'est hyper. Tu sais que pendant des années, on a cru que les œufs, en fait, ça apportait du cholestérol. Et en fait, c'est un stabilisateur du cholestérol. C'est des études, enfin, des recherches qui ont abouti il y a 5-6 ans en arrière. Et en fait, justement, qui permettait de. Enfin, cette étude, elle a permis de dévoiler qu'il y avait bien une corrélation. Bah, il les mange crus, mais il a complètement raison de les manger crus. C'est ultra bon. Pour faciliter les connexions synaptiques, ça a une. En fait, ça. Ça donne une rapidité différente en fait, enfin une rapidité supplémentaire, une rapidité accrue pour les connexions synaptiques, et en fait c'est ultra bon justement pour stabiliser le cholestérol, c'est-à-dire qu'en fait pendant, je sais pas, enfin moi, toute mon enfance, mais même tout le début de ma vie d'adulte et tout, on entendait toujours dire attention, les œufs c'est pas bon pour le cholestérol, machin, etc, etc, et en fait... Là, avec bon, après, c'est toujours pareil, c'est une étude parmi tant d'autres. Donc, après, il y a pour une étude qui dit ça, il doit y en avoir une autre qui dit l'inverse. Hein. Je suis pas con, quoi. Mais ça va, ça, moi, je pense que ça va vraiment dans le bon sens. C'est un produit ultra naturel en plus. Donc, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de. Enfin, c'est sorti direct du cul de la poule. Donc, bouffer un truc comme ça, c'est. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment ultra sain, quoi. Et en plus, j'adore ça. Donc, du coup, ça a du goût. Je sais que. Non, mais je sais. Ouais? C'est le seul truc qui sort d'un cul qui est ça quand même. Ouais, mais enfin, je mange pas la coquille. Attends, mais je mange pas la coquille. Je bouffe pas la coquille, Matt. T'as craqué. Hein. Non, c'est mort. C'est mort. Dans le planning, on choisit des trucs. Mathias, j'ai rajouté un truc parce que j'avais oublié tout à l'heure, mais c'est les 37 ans de Zelda. Ouais. Et alors, je sais qu'on en a parlé il y a pas très longtemps, mais c'est important. Enfin, pour moi, c'est. Ça a construit une immense partie de ma culture vidéoludique. J'ai 38 ans, donc je les ai presque tous faits. J'ai pas fait les épisodes sur CDI, et j'ai pas fait celui sur la 64, sur la Super NES à l'époque, mais je l'ai rattrapé, je l'avais rattrapé après. Je pense que je les ai tous faits, je crois pas que j'en ai raté un. Et c'est quelque chose, enfin pour moi c'est super important, donc du coup je me suis dit que je l'ai noté. Quand on a raccroché, je me suis dit putain j'ai oublié ça, parce que tu m'as donné une liste de plein de trucs. Et j'ai oublié ça, et du coup,
Mais du coup, comme j'ai Marie qui m'a envoyé un petit message, du coup, on a échangé là-dessus, je me suis dit, let's go, on parle de ça. Ouais. Marie, c'est quoi ton épisode préféré? Spirit Tracks. Spirit Tracks. Comment et pourquoi? Voilà. Alors, comment? Bah, ça m'a énormément marqué parce que c'était mon premier Zelda. Et donc, par conséquent, c'est mon préféré. Zéro... comment dire? Pas plus d'argumentation que ça. Pas du tout transparente sur ce jeu. Bah, en fait, je le trouve... incroyable pour ce que c'est, l'histoire est super belle mine de rien. C'est un truc qui te fait prendre conscience que la musique mine de... c'est super important dans les Zelda en général parce que t'as très souvent des Zelda où t'as Link qui se retrouve avec un instrument. C'est sûr. Donc là en l'occurrence t'as une flûte de pan, t'as l'ocarina, t'as la harpe dans Skyward Sword, t'as le chant quand il chante dans Twilight Princess. Ce genre de choses qui, en fait, te permettent d'exprimer énormément de choses à défaut de Link qui parle avec sa voix, en fait. C'est, ouais. Ça exprime des trucs de dingue et comme tu sais que j'adore la musique, oui. Ça me touche particulièrement. Ce côté musical des Zelda, c'est... Enfin voilà, puis les musiques sont trop belles. Voilà, on va pas se le cacher, les musiques sont trop belles à chaque fois que j'ai l'OST, mais vraiment, je me la fous en boucle. Je comprends. Je l'adore. Tu l'as fait quand tu avais quel âge, du coup? Si tu te souviens. Je vais avoir peut-être 8-9 ans. Ah ouais, comme ça, donc super jeune quoi en fait, d'accord. Super jeune quoi en fait. Parce que moi si tu veux en fait, c'est la différenciation, c'est que donc vous êtes de la même génération, Mathias et toi, donc du coup en fait, il y avait déjà énormément de jeux quoi en fait. Tu vois, il y avait déjà les consoles de salon, il y avait pas que ça en fait qui sortait sur les consoles, il y avait beaucoup d'autres choses. Enfin Mathias m'en sera témoin évidemment aussi quoi, sur DS, 3DS et tout. En plus, enfin il y a des...